Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour une averse extrêmement forte et en train de nous toucher en ce moment même, avec pour dire beaucoup de pluie. Hein. Il pleut tellement et puis il y a tellement de vent que regardez, ça tombe des cordes. C'est que de la pluie, hein. C'est pas, y a pas de grêle, y a pas de, juste de la pluie. Alors par contre, donc c'est une journée extrêmement dynamique, donc sous le signe bien entendu du vent, de très fortes averses, hein, de grêle, de vent, de pluie, d'orage, enfin il y a de tout et de n'importe quoi. Et d'ailleurs ça vient de commencer hein, sur le Loiret, il y a eu un orage vraiment très fort, avec de très fortes rafales, donc 100 km/h, donc c'est déjà pas mal. Des grêlons de 1 cm de diamètre, puis une activité électrique, pour le moins très forte. Il y a eu 20 à 25 impacts par minute, donc vraiment c'était un bel orage. Et là, vous voyez le vent qui se lève comme ça. Alors, il y a plusieurs cellules dans cet amas qu'on est en train de subir, mais ça se ratatine quand même. Hein. Alors, vous voyez les routes quand même. Enfin, je sais même pas si on voit, ça, il fait tellement sombre dehors. Ah, si vous voyez, je pense. Regardez ça un peu. Oh là là. Très forte pluie. Hein. Je sais pas combien il y en a, une millimètre là, en espace de peu de temps. Et une nouvelle onde nuageuse qui s'approche très vite. Vous voyez cette dynamique un peu vraiment très vigoureuse. Donc c'est d'ailleurs pour ça que les orages sont forts. Puis les rafales de vent aussi. Hein. Maintenant c'est le vent hein, qui est vraiment fort. Regardez, ça recommence à tomber. Oh là là. C'est presque étrange de voir de la pluie qui tombe comme ça. C'est de la bruine qui tombe là. Il tombe de la bruine, vous voyez. Donc bon, là ça se calme. Je pense que je vais arrêter cette vidéo. Et donc voilà. On se retrouve pour une nouvelle averse. Oh là là. Vraiment fort. Hein. Waouh. Oh purée. Oh là 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 là. Mais ça recommence comme tout à l'heure. Hein. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Waouh! Mais c'est mortel ce qui se passe, regardez. On va se prendre une rafale dans la figure. Oh purée. Ah ouais, là c'est vraiment pas mal là. Il manque quelque chose là. Il manque l'impact. Parce qu'il y a des orages du côté de l'Indre et de. Du Loiret même, bah, qui quitte le Loiret, hein, la région centre qui vont vers la Bourgogne, petit à petit. Et à la place, bah, on a toujours ces averses fortes, avec même des rafales à 100 km/h sur les orages, la grêle, des très fortes pluies, mais quand je dis très fortes pluies, c'est 30 mm en très peu de temps. Incroyable, hein. Bon, la rafale qu'on s'est prise, hein. Je sais pas combien il y a eu là, mais je reste tout à l'heure. Oh, c'est quoi ce bruit là? Il y a eu un coup de tonnerre. C'est plus le vent, je pense, qu'il a soufflé en la toiture, mais ça a ronflé là. Non, c'est le vent, c'est le vent. C'est très forte rafale. Et là, regardez. Et vu le peuplier un peu, comment il bouge, enfin.
C'est vraiment incroyable. C'est un souffle incroyable. Alors là, il pleut vraiment presque plus. C'est de la bruine. Waouh! Oh là là! Regardez! Oh là là! C'est vachement puissant ces averses! Ouais, mais ça rigole pas, hein! Je sens carrément la vitre qui tremble. C'est quand même incroyable. Ça n'a pas l'air d'être fini en plus parce que je regarde de l'autre côté, là, côté ouest. C'est quand même sombre. Vraiment, je sais vraiment pas ce qui se passe. Enfin, si c'est-à-dire c'est terminé ou non. Écoutez, comme la pluie s'est terminée et que le vent, bon, faiblit un peu malgré tout, quelques rafales puissantes, je pense qu'on va arrêter ici. Puis s'il y a une nouvelle réactivation, là, je refilmerai. Donc voilà, donc on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, à plus!